Enregistrement, voilà, c'est parti. Bonjour Yves. Bonjour Philippe. Alors, bienvenue sur la chaîne PMS Prod qui, tout au long de la journée, va diffuser quelques vidéos, j'espère le plus possible, pour que les gens puissent suivre ce qui va se passer aujourd'hui ici aux Forges. D'ailleurs, que va-t-il se passer? Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Première manifestation dans le cadre de l'association GEN, Génétique Espérance Nouvelle-Élan, dans le cadre du Téléthon, on a mis en place des épreuves sportives, le back and run. Alors, pour certaines personnes, ça leur parle, pour d'autres, ça leur parle moins. C'est courir en binôme avec un VTT, un coureur à pied, et se relayer tout au long du trajet sur 6 ou 13 km. Idem, derrière, il y aura une course à pied cette fois-ci, 6 ou 13 km. Une rando pour finir. L'objectif, c'est une épreuve sportive avec des muscles sains au profit des muscles malades. Et je pense que c'était une première sur les forges de PEM et à PEM. On va essayer de relever le défi, je dirais, de cette animation. Bien, ça c'est déjà un beau programme. C'est le programme donc de toute l'après-midi, mais je pense que cette manifestation ne va pas durer que de l'après-midi. Je crois qu'il Alors y a d'autres non, choses de prévues. voilà, il y a d'autres choses de prévues. Pendant que les gens vont découvrir le site et courir et faire leurs épreuves, on a deux, trois animations. On a la Fédération de pêche qui va expliquer le rôle de l'APPMA, une société de pêche, va aussi avoir un simulateur pour que les jeunes découvrent comment on pratique la pêche. Il y aura le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de l'Ognon qui est, avec son camion de communication, qui va expliquer l'environnement, la biodiversité des rivières. On aura une thérapeute environnementale qui est là aussi. L'association des pompiers du canton de Penn qui sera là. Et donc l'objectif, c'est faire un peu d'animation pendant l'épreuve et après. Et suite à cela, remise des prix, alors bon, c'est symbolique, mais on a tenu quand même à faire un classement des trois premiers de chaque catégorie. Et suite à cela, ce soir à 20 h, on aura la chance d'avoir deux concerts sur la place des Forges avec une animation DJ. Donc pour clôturer, je dirais, cette journée vers les 23 h, 23 h 30, qui aura été bien remplie. Bien, c'est un énorme travail. Je vois qu'il y a beaucoup, j'ai fait le tour un peu de vos préparations. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis sur cette préparation parce que vous attendez pas mal de monde, je sais. Et j'espère aussi que tout va bien se marcher. On a déjà le beau temps, ce qui est déjà une On a le bonne beau temps. chose, hein. Donc voilà, j'espère que tout va bien aller, que tout se passera bien et que nous passerons une bonne journée. Je rappelle que vous pourrez voir tout au long de la journée des quelques vidéos, des vidéos du départ des courses par exemple, des vidéos des remises de prix, puis aussi des différentes manifestations. J'interviewerai également les associations qui participent et qui aident l'association GEN dans le cadre du Téléthon. Voilà, eh bien, merci beaucoup à tous. On se retrouve tout au long de la journée, peut-être avec Yves. Hein, Yves aura peut-être le temps de venir nous revoir un petit moment dans la journée. Voilà, à bientôt. Au revoir. Super. Alors, hein, tu vois, vite fait.